Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette première activité pour cette série de conférences en éthique de la santé qui est organisée en collaboration avec le Bureau de l'éthique clinique de l'Université de Montréal et aussi accrédité par l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je me nomme Éric Racine, je suis prof titulaire qui œuvre dans le domaine de l'éthique de la santé. Je suis affilié à l'Université de Montréal et aussi principalement à l'Institut de recherche clinique de Montréal où je dirige l'unité de recherche en éthique pragmatique de la santé. Je vais animer cette séance. Les prochaines le seront par Simon Sangar, qui est chercheur postdoctoral à l'unité de recherche de l'IRCM. Mais aujourd'hui, je vais animer, modérer cette séance. Tandis que j'y pense, vous allez pouvoir poser vos questions via la fonction Q&A dans la plateforme Zoom. Et je vais tenter de répondre des questions techniques, si je peux, et aussi au niveau de la période de questions, comme on est en mode webinaire dans Zoom, les micros et caméras de tous, sauf la conférencière et le modérateur, sont fermés, de sorte que je vais présenter des questions à la fin de la séance, après la conférence. Donc, tout simplement, un mot pour introduire la série qui va porter cette année 2021 sur les liens entre la santé, le bien-être et l'épanouissement. Pourquoi? Eh bien, on avait envisagé ce thème-là en début d'année 2020 et je pense que, un peu malheureusement, parce que je ne souhaitais pas que ce soit ce qui donne un peu l'importance à ces thèmes-là avant la pandémie, mais je pense que maintenant, leur importance est plus apparente que jamais. Mais il reste que nos façons de voir la médecine, la psychologie, l'éthique sont souvent définies un peu par la négative, c'est-à-dire par la maladie, par les troubles, par les comportements non éthiques ou immoraux, les scandales éthiques. Et donc la question au cœur de la série cette année, c'est pourquoi ne pas s'intéresser davantage aux orientations positives qui peuvent nous motiver, nous diriger, nous amener à nous réaliser comme personnes, comme travailleurs, comme membres de notre société. C'est d'ailleurs cette orientation-là, portant sur le bien-être, l'épanouissement de soi, qui est au cœur de la vision gréco-romaine de l'éthique, donc à l'origine même de la tradition de l'éthique telle qu'on l'a développée en Occident à tout le moins. C'est vraiment la préoccupation qui était au cœur et tranquillement, au fil des siècles, la nature de l'éthique a changé. C'est, je vais dire, un peu dépsychologisé d'une certaine manière, c'est philosophisé, si je peux utiliser ces mots-là. Et donc, la série va tenter de créer des liens entre ces domaines-là. Vous allez voir qu'on va aborder toute une série de situations d'actualité où se posent ces questions-là, notamment la santé publique, les inégalités sociales, les politiques du gouvernement du Québec en la matière, le bien-être de nos Premières Nations aussi et le racisme systémique. Nous espérons que cette série, je parle au nom de l'équipe qui l'organise, sera une occasion de réfléchir sur les pratiques et les orientations tant personnelles, institutionnelles et sociétales qui nous guident, mais parfois très implicitement. Et donc, on espère que ces conférences vont nous permettre de mettre les choses un peu plus en évidence, de mettre nos présuppositions un peu à la lumière du débat, du questionnement, pour poser des questions parfois difficiles, mais qui s'imposent si on souhaite améliorer les pratiques. Donc, qui d'autre choisir et inviter pour nous lancer sur ce thème-là que Rosemarie Charest, personnalité engagée, est très connue du public québécois. Rosemarie Charest est psychologue. Elle a été présidente de l'Ordre des psychologues du Québec de 1998 à 2015, poste qu'elle a quitté pour se consacrer plus pleinement à sa carrière de communicatrice. En plus d'avoir publié plusieurs livres, elle est connue du grand public pour ses interventions à la radio et à la télévision notamment. Dans ses conférences, comme celle d'aujourd'hui, elle prend appui sur ses connaissances en psychologie,
Elle partage son expertise acquise tout au long d'une longue carrière qui l'a menée de la clinique à la gestion, à la gouvernance des organisations et aux communications publiques et politiques. Un très, très grand merci. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui de vous écouter, de vous accueillir dans cette série-là et de nous lancer un peu sur ce thème-là qu'on sait qui vous est cher en suivant vos interventions. Bien, merci beaucoup pour votre accueil. Puis merci de m'avoir donné l'occasion de prendre un moment pour réfléchir à ces questions-là. Moi, dans les conférences que j'aime, je dirais la partie qui me passionne, c'est la partie préparation. Pas que j'aime pas voir le monde, puis j'ai hâte de voir du monde en personne, mais chaque conférence nous pousse hein, vraiment à réfléchir, à redéfinir certaines choses, à faire le point. Puis, évidemment, ayant été une présidente d'ordre professionnel, c'est toutes les questions d'éthique, j'y ai déjà beaucoup réfléchi, mais personnellement aussi, c'est quelque chose qui me fascine parce que j'ai intitulé la conférence « Éthique et santé psychologique, des liens à approfondir ». Et pour moi, c'est clair qu'il y a des liens et qui sont réciproques. C'est pas juste que notre pensée éthique, notre raisonnement éthique va favoriser une bonne offre de services pour la santé psychologique. C'est aussi que nous, chacun d'entre nous, on a besoin de porter attention à notre propre santé psychologique si on veut justement avoir la disponibilité qui va nous permettre d'avoir une activité éthique. Parce que, premièrement, l'éthique, ça contribue à notre bien-être. Il faut vraiment avoir ça en tête au point de départ. Et notre bien-être contribue à l'éthique. Ça contribue à notre bien-être, l'éthique, parce que c'est comme une façon d'unifier nos valeurs, nos pensées, nos comportements et notre impact. Et ce dont l'être humain a le plus besoin pour se sentir bien, c'est de se sentir unifié. Moi, j'ai une image pour ça. Les poupées gigognes, les petites poupées russes. Vous savez, il y a la petite poupée dans la plus grande, dans la plus grande, dans la plus grande. Et notre développement personnel, professionnel, paraît de plus en plus au regard des autres, notre regard aussi, dans ces plus grandes poupées-là. Mais de toutes ces poupées-là, il y en a juste une qui est solide. Et c'est la plus petite. C'est celle qui est à l'intérieur de nous. C'est celle qui nous habite. C'est celle qui nous répond quand on se pose la question sur qui on est, quand on s'évalue soi-même, quand on évalue sa journée, son année, son activité. Et quand celle-ci est solidifiée par le fait qu'il y a une unité à l'intérieur de nous, qu'on ne se sent pas divisé, qu'on ne se sent pas déchiré, ça c'est le socle de notre santé psychologique, de notre bien-être, de notre épanouissement, pour prendre votre terme. Donc, l'éthique, y contribue à notre bien-être. Puis, bien sûr, aussi, si on veut avoir une pensée éthique et surtout un comportement éthique, il faut avoir de la disponibilité. Il faut avoir de la vivacité. Si je fais mon travail sur le pilote automatique et quelle que soit la personne qui est devant moi, je fais la même chose. Si je pars, bien, évidemment, c'est sûr que je vais faire des erreurs. C'est sûr que je vais aussi pas avoir de place pour réfléchir, pour me réorienter, pour la souplesse qui est nécessaire. Aussi, il faut que je sois en bonne santé psychologique pour avoir une certaine ouverture à l'autre. Une ouverture aux autres. Parce que si je n'ai pas une bonne santé psychologique, le premier réflexe, c'est d'être défensif. Hein, si on n'est pas sûr,
on se protège. Et en étant défensif, forcément, je me ferme. Et si je me ferme, bien sûr que je ne pourrai pas me placer là où je pourrais exercer mon jugement, là où je pourrais orienter mes actions, mon comportement de manière éthique. Pour moi, l'éthique, c'est s'élever au-dessus du moi, s'élever au-dessus du soi. Et donc, quand on s'élève, c'est pour le bien des autres, mais c'est aussi pour notre bien. Parce que le sentiment d'avoir été capable de s'élever au-dessus de juste notre petite recherche de satisfaction personnelle immédiate, ben, déjà, ça nous donne un sentiment de bien-être, une estime de soi qui est élevée par ça. Mais s'élever au-dessus du moi, là, ça contient prendre soin de soi. Ça contient prendre soin de l'autre, puis ça contient prendre soin de la relation à l'autre. Je ne peux pas m'élever et me nier. Je dois rester aussi présent et présente à cette activité-là. Donc, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Et bien prendre soin des autres, ça nous apporte quelque chose aussi. Évidemment, il y a des pièges. On peut pas juste éviter des pièges. Moi, quand j'étais présidente de l'ordre, je disais aux gens, vous savez, je peux respecter à 100% mon code de déontologie et être complètement inefficace. Parce que je vais juste être en train d'éviter de faire des choses. Et je ne sais pas s'il y a des avocats parmi vous, mais quand j'ai travaillé beaucoup, évidemment, quand on travaille pour un ordre et dans différents domaines aussi, avec des avocats. Et le rôle d'un avocat, c'est beaucoup de nous dire, il y a un piège là, il y a un piège là qu'on n'avait pas vu, qui nous permet de voir et tout ça. Mais moi, j'avais tendance à leur dire, écoute, c'est extraordinaire que tu me dises ce que je ne peux pas faire. Mais moi, je veux faire quelque chose. Mon rôle ne se limite pas à éviter le danger. Et moi, je pense que les pratiques défensives qui peuvent découler des peurs ne sont pas des pratiques qui vont nous permettre de mieux exercer nos professions, de mieux aider les gens, de mieux soigner les gens. Il y a un risque partout et c'est là qu'est tout l'enjeu. Donc, en santé mentale en particulier, il faut vraiment être conscient de la responsabilité qui n'est jamais complètement décrite quelque part dans un code. Et ça, même pour les plus rigoureux, la réalité, c'est qu'on va faire face à de l'inconnu. La réalité, c'est qu'on va faire face à des difficultés. La réalité, c'est qu'il y a de l'être humain là-dedans et que tout n'est pas défini. Et heureusement, parce qu'il fallait que tout soit déjà connu et défini au niveau de l'être humain et de son fonctionnement, bien, ce serait ennuyant. Moi, je sais qu'il y a une mode là, puis il y a beaucoup de gens qui prônent ça, des espèces de pratiques où on a des pratiques par étapes, puis il y a des espèces de manuels de pratiques, puis on suit ça. Pour moi, je me dis, ben heureusement que moi, je ne suis vraiment pas en début de carrière, ça ne me sera pas imposé ça, parce que moi, je suis devenue psychologue parce que la chose que j'aimais le plus faire dans la vie, c'était réfléchir. Et je me suis dit, si je m'en vais en psychologie, je n'aurai jamais fini d'être obligée de réfléchir si je veux trouver des réponses, parce que je ne croyais pas que le manuel allait arriver un jour. Évidemment, je caricature un peu, tout n'est pas mauvais là-dedans, là, il y a des lignes de pensée qui peuvent être données. Mais une chose dont je suis certaine, c'est que justement, parce qu'il y a ce besoin de liberté de penser, il faut qu'il y ait un cadre. Et c'est ce cadre-là qui va donner la liberté.
parce que surtout en santé mentale, ben, tout le monde qui soigne a beaucoup de pouvoir. Mais en santé mentale, on a des pouvoirs qui sont flous parfois. On peut, si en santé physique, vous êtes intrusif, quelqu'un d'autre à côté de vous pourrait le voir. Si en santé mentale, vous êtes intrusif, des fois, vous êtes obligé de l'être pour le... Puis ça justifie très bien comme en santé physique, évidemment. On n'enlève pas une dent sans être intrusif, puis on ne fait pas une chirurgie sans être intrusif. Mais en santé mentale, on ne peut pas non plus intervenir si on n'entre pas d'une certaine façon dans la bulle, dans l'intimité de l'autre. Mais il y a des balises à ça. Et ces balises-là nous sont données par un cadre qui est multiple, évidemment, qui est toute la déontologie, la science, les connaissances, bien sûr, mais surtout le cadre qu'on établit avec la personne, ce qu'elle sait, ce qu'elle est en droit de s'attendre et ce qu'elle sait qu'on ne devrait pas dépasser. Et elle non plus, d'ailleurs. Parce que le respect du cadre, ça se joue à deux. La relation de confiance, ça se joue à deux. Moi, j'ai vu des professionnels de la santé être victimes d'abus. Ça peut arriver de l'autre côté aussi. Vous me direz, c'est rare. Oui, c'est plus rare. C'est plus rare parce qu'au point de départ, la personne qui a le plus de pouvoir, quel que soit, là, il y a des gens qui cherchent à nier ça. En psychologie, en tout cas, ça a été beaucoup le cas. Pendant longtemps, des gens qui disaient « quand on traite, on est dans une relation égalitaire ». Non, on ne l'est pas. Et ne pas le reconnaître risque de faire beaucoup plus tard que de le reconnaître et de le baliser. On n'est pas dans une relation égalitaire du seul fait que j'entre dans l'univers de l'autre qui lui, n'entre pas dans le mien. Essayez pas de... Il n'y a pas autant de pouvoir sur mon psychisme que je peux en avoir sur le sien, bien qu'il puisse avoir un certain pouvoir sur mon... Il n'y a pas autant de pouvoir sur ma vie que je peux en avoir sur le sien. Donc, oui, il y a ce pouvoir-là. Il est basé sur quoi? Il est basé d'abord sur nos savoirs. Et c'est une des choses que je reproche à certaines attitudes, j'allais dire à certains modèles. Bien, il y a certains modèles qui se prêtent davantage à ça que d'autres, mais il y a certaines attitudes face à ces modèles-là, surtout, où la personne, le soignant, se comporte comme si, ah, lui, il sait ce que l'autre vit. Il sait d'où ça vient. Il sait, puis l'autre, il ne sait pas. Et ça, moi, là, il y a un déséquilibre. Et effectivement, le savoir nous permet de voir des choses sur la personne que la personne ne voit pas elle-même. Mais si on a vraiment un bon raisonnement éthique, on ne le sait pas pour notre plaisir. Ça ne nous accorde pas une supériorité. Ça devrait nous donner un outil de travail. Cette connaissance-là, ça devient un moyen pour aider l'autre. L'intrusion, c'est une agression. Sauf si elle est pour un bien plus grand et si l'autre y consent, bien sûr. Mais quand est-ce que ça devient une intrusion? Vous savez, il y a certains questionnaires, par exemple, qui posent toutes sortes de questions dont on n'a pas besoin pour traiter. Et moi, je m'oppose à ça, en tout cas dans ma pratique. Moi, le revenu de quelqu'un, j'ai besoin de ça si la personne a un problème relié à l'argent. Si c'est une personne qui est un joueur compulsif qui me dit j'ai fait faillite puis je dépense 90% de mon revenu au jeu, bien là, la question est pertinente. La sexualité, c'est la même chose. Il y a des questions sur la sexualité qui sont tout à fait pertinentes de poser, mais à condition que j'en ai besoin. C'est pas vrai que j'ai besoin de tout connaître de la personne pour être capable de commencer à intervenir. J'ai besoin de savoir ce qui est pertinent. Et quand ces évaluations-là à 360 degrés, ce que je trouve, mon point de vue là-dessus, c'est qu'une évaluation, c'est jamais terminé.
Donc, on n'évalue pas juste pour choisir nos interventions, parce que si c'était le cas, on évalue, on choisit nos interventions, puis on continue à intervenir, quel que soit le résultat ou quel que soit comment ça se passe, qu'il n'y aurait pas de bon sens. On évalue tout le temps, parce qu'on évalue, on se réoriente, on s'ajuste. Une des premières choses qu'on nous apprend en psychologie, puis je me rappelle de ça, ça m'avait beaucoup frappé. J'étais dans mon premier cours, ou en tout cas sûrement dans ma première année de psychologie, où on nous avait dit, puis je suis contente qu'on nous ait dit ça, la chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'importance des différences individuelles. Parce que beaucoup d'études sont des études statistiques, puis on peut les prendre pour des vérités. Mais est-ce que c'est la vérité de la personne qui est là? Ce qu'on nous disait, qui fait toujours image selon moi, un traitement qui est efficace à 80 %. En psychologie, c'est rare ça, un traitement qui est efficace à 80 %. Ben, même si vous aviez ça, vous ne savez toujours pas si la personne qui est devant vous, elle appartient au 20 % ou au 80 %. Ben, moi, cette image-là m'a guidée tout au long de ma carrière. Je ne peux pas avoir de conviction concernant une personne tant que je ne connais pas cette personne. Et donc, cette ouverture-là fait partie, selon moi, du raisonnement éthique qui doit être constant quand on intervient auprès des personnes qui demandent notre aide pour des problèmes de santé mentale ou de santé psychologique. Les moyens qui sont à notre disposition aussi sont nécessairement on peut penser que ça ne peut pas déranger grand monde, parce que, en gros, les moyens qu'on a, nous, les psychologues, c'est des mots. On n'a pas beaucoup. Il y a eu quelques fois là, des machines de biofeedback, mais en réalité, on a des mots, mais on sait à quel point les mots sont puissants. Les mots sont parfois impuissants, ce qui est un autre problème, mais sont parfois très puissants. Et il faut donc les orienter dans la bonne direction, comme tout ce qui a du pouvoir. Donc, oui, un cadre, donc le définir, quel est le cadre. Et ça, vous savez, ça peut avoir l'air simple, mais souvent, dans chacune de nos pratiques, on devrait avoir cette réflexion-là régulièrement. C'est quoi le cadre? C'est quoi le cadre dans lequel j'interviens avec cette personne-là, dans cette situation-là? Un psychologue qui, par exemple, pour prendre notre exemple à nous, qui travaille dans le réseau public et qui a un bureau privé, il n'est pas dans le même cadre, là. Il ne pourra pas compter sur d'autres autant s'il est en privé que s'il est dans... Qui va accepter en traitement? Moi, par exemple, je peux vous dire, je n'ai jamais accepté des gens qui souffraient de troubles graves de l'alimentation, de problèmes alimentaires, parce que lorsque c'est grave, là, il faut vraiment une équipe. Donc, quel est mon cadre? Et ce cadre-là, il va être l'appui pour la personne. Il va être l'appui pour moi aussi comme clinicien. On a à se référer à notre cadre. Et quel est mon devoir, quelle est ma responsabilité à l'intérieur de ce cadre-là et quelles sont les limites, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire et qu'est-ce que je peux promettre surtout. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à la pédagogie. Je trouve d'ailleurs que la pédagogie n'est pas assez valorisée dans notre société, et ça à tous les niveaux. Actuellement, par exemple, si je peux me permettre une parenthèse sur ce qui se passe actuellement, si on veut vraiment motiver du monde à respecter des règles de protection, à se faire vacciner ultimement, c'est la pédagogie qui va y arriver, là, bien plus que les contraintes. La pédagogie, c'est ce qui donne du sens, c'est ce qui fait en sorte que la personne, plutôt que de se sentir motivée de l'extérieur, elle se sent motivée de l'intérieur. Et on sait à quel point la motivation intrinsèque est beaucoup plus efficace que la motivation extrinsèque. Et donc, pour prendre soin des gens, leur expliquer le cadre dans lequel on œuvre, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour eux. J'ai parlé à quelqu'un récemment qui a été opéré pour le cœur. Puis elle a dit,
tu sais, elle dit, c'était rassurant parce qu'ils m'ont dit, bon, ça, la chirurgie, ils vont faire ça pour vous, mais une fois qu'ils ont fini, ils peuvent plus, eux autres, c'est plus le job. Ça, ça va être la médecine qui va faire ça pour vous ou la cardiologie qui va faire ça pour vous. Juste de pouvoir mettre des mots sur qui fait quoi, puis tout ça. Et quelle est l'identité de chacun, quel est son cadre à lui, ça a quelque chose de rassurant. Donc, on ne perd pas notre temps quand on communique ça. Évidemment, le respect du cadre. Hein, on pense souvent aux accros au cadre. Quelqu'un me racontait récemment qu'elle avait une patiente qui avait une phobie du dentiste. Puis elle a dit à cette personne-là le nom d'un dentiste qu'elle pensait qu'il pouvait l'aider et tout ça. Puis, parce que c'est devenu un enjeu, ça, dans la thérapie. Parce qu'il y avait eu quelque chose qui était, tu sais, c'est vraiment pas un geste grave que de donner une référence à quelqu'un d'autre, là. Mais dépendant de la personne à qui on a affaire, on peut faire plus ou moins, on peut être plus ou moins efficace en donnant, en sortant le moindrement du cadre. Moi, quand j'étais plus jeune psychologue, je me rappelle un soir où j'avais une patiente dans mon bureau que je trouvais qui était à risque de suicide. Et c'était ma dernière patiente. Et plutôt que de l'envoyer à l'hôpital, je suis allée la reconduire à l'hôpital. Et j'ai compris par la suite que c'était pas à moi de faire ça, qu'il fallait pas que je fasse ça, que j'avais d'autres moyens à l'intérieur de mon cadre à moi d'assurer sa protection. Que j'étais pas une intime dans sa vie, j'étais pas là. Bon, et donc, c'est des écarts, évidemment, là, tu sais, on s'entend que j'ai pas été poursuivie pour ça, puis ma collègue non plus, mais il reste que quand on est capable de se redéfinir, de dire, bon, mais c'est quoi mon rôle? Et le rôle, une chose que je trouve extrêmement importante, c'est quand on prend soin, on a cette notion d'empathie. Et si on ne connaît pas bien notre rôle, si on ne connaît pas bien les limites de notre rôle, on pourrait aussi avoir une incompréhension de ce qu'est l'empathie. Parce que l'empathie, ce n'est pas juste de se mettre à la place de l'autre. On définit souvent ça comme ça. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est vrai. Se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre son point de vue, avoir sa perspective et revenir à sa place. C'est ça l'empathie. Donc, revenir à ma place, ça veut dire revenir dans mon rôle. Et pour ça, il faut que je le connaisse bien, mon rôle. Et ce n'est pas juste mon titre, mon rôle. C'est mon rôle avec cette personne-là dans cette démarche-là. Et quelles sont les limites de mon rôle? Moi, par exemple, je ne suis pas neuropsychologue. Tu sais, quand quelqu'un me se met que je vois que cette personne-là aurait besoin d'une évaluation, je peux être empathique au fait qu'elle ne veuille pas être référée. Je peux être empathique au fait qu'elle serait plus confortable que je fasse tout pour elle plutôt que de la référer à quelqu'un d'autre. Mais oui, je me mets à sa place, je comprends ça, mais je reviens dans mon rôle à moi, qui est de l'orienter vers ce qui est mieux pour elle. Dans toute relation, que ce soit une relation professionnelle, une relation personnelle, toute relation, il y a trois territoires. Il y a le territoire de l'autre, il y a mon territoire, puis il y a le territoire qu'on partage. Il y a ce qu'on met en commun, ce qui est notre zone de travail commun. Alors ça, on a ces territoires communs-là, on en a avec chacune des personnes qu'on croise, on en a avec nos collègues, on met pas tout. C'est la différence entre la fusion puis la relation. Dans la relation, il y a trois territoires. Dans la fusion, il y en a juste un. Et juste, vous savez, un jour, je donnais une entrevue à Radio-Canada, puis c'était une ligne ouverte. C'était à la télé, puis il prenait des appels et c'était le soir de la Saint-Valentin. C'était sur la relation de couple et j'avais mentionné dans l'entrevue que dans un couple, ce qui fait la solidité d'un couple, c'est pas le fait de pas avoir de conflit, c'est le fait d'être capable de les résoudre. Or, l'animateur prend un appel et c'est un monsieur qui dit « Moi, madame,
Ça fait 40 ans que je suis mariée, puis on ne s'est jamais chicané. J'avais une petite idée pourquoi. J'avais une petite idée qu'il y avait un territoire dans ce couple-là et que l'autre avait intérêt à respecter ce territoire-là. Fait que le fait que la relation soit complexe, elle est complexe, c'est parce qu'il y a ces trois territoires. Et pourquoi? Mais s'il n'y a pas ces trois territoires, elle est malsaine, la relation. Et ça, c'est vrai, et c'est un risque entre les soignants et les soignés aussi. Il y a ce risque-là pour ce qui est, par exemple, des personnes qui se définissent comme tellement empathiques qu'elles sont constamment présentes aux besoins de l'autre et qui peuvent finalement glisser dans une relation où là, le cadre n'est pas respecté ou l'autre n'est pas respecté parce que finalement, on glisse dans un seul territoire plutôt que dans trois territoires. Donc, trois territoires, ça veut dire l'autre, soi, puis la relation. L'autre, si on veut vraiment percevoir puis influencer sur le territoire qu'on met en commun, il faut être capable de voir qui est l'autre. Donc, avoir de l'ouverture, de la flexibilité, être capable de changer d'idée. Vous savez que ça, c'est un des critères. Il y a de plus en plus de recherches en psychologie positive là, sur le bonheur. Puis, les gens heureux, c'est des gens flexibles. Des gens qui sont capables de changer d'idée. D'abord, imaginez-vous toute l'angoisse que ça enlève si on se dit, je prends une décision, je pense que c'est la meilleure décision à ce stade-ci avec cette personne-ci. Mais je sais de moi que je suis capable de changer d'idée et que si jamais j'ai d'autres informations, que je vais être capable de les voir, que je vais garder les yeux ouverts, même si j'ai un plan. Et la chose que je trouve qui est la plus dommageable, c'est quand le plan nous aveugle. De ce temps-ci, il est beaucoup question de la science. On n'a jamais été au Québec, on n'a jamais tant prononcé le mot « science » que dans la dernière année. C'est une bonne nouvelle. Les gens sont de plus en plus conscients que la science, là, c'est pas négligeable quand on a besoin de connaissances. Ça vient de là, ça passe par là. Mais il y a très souvent une incompréhension de la science dans les messages politiques, dans les messages des individus qu'on voit. Comme si on voulait une certitude. Alors, la science ne serait pas ce qu'elle est si elle était basée sur des certitudes. Et ce que je trouve qui serait... Si on voulait vraiment bien former, c'est drôle parce qu'on a vraiment commencé à former davantage les jeunes à un raisonnement éthique. Et je pense que former quelqu'un à une pensée scientifique, à un raisonnement scientifique, ça devrait s'appliquer aussi à ceux qui s'en vont en art. C'est pas juste pour ceux qui s'en vont en science. Souvent, ça a été reproché dans la formation en psychologie, par exemple. Il y a une grosse part qui est des crédits qui sont accordés à la recherche. Pour les gens disaient, oui, mais j'en ferai pas de recherche. Et souvent, je répondais à ça, oui, mais quand tu vas être tout seul dans ton bureau et que tu vas avoir une décision à prendre, ta formation scientifique va être extrêmement utile. Et quand moi, j'ai travaillé à ce qu'on puisse réserver la psychothérapie pour pas que ce soit quiconque avait envie d'en faire qui puisse en faire. Là. Puis une des choses, un des arguments qu'on nous donnait, c'était « Oui, mais moi, je veux continuer d'en faire parce que j'aime le monde. » Bien, aimer le monde, c'est pas une compétence en soi. C'est nécessaire, mais c'est nettement insuffisant. Puis une des raisons pour lesquelles, puis la qualité de la relation, pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans notre domaine, mais une des raisons, c'est que la pensée qui peut faire la différence entre ça, est-ce que c'est une croyance ou une hypothèse? C'est ça qui va permettre à la personne
de continuer de s'ajuster pour rendre le meilleur service, mais c'est aussi ce qui va la garder saine, ce qui va la garder ouverte, ce qui va lui permettre de ne pas être sur la défensive pour défendre constamment ses croyances. Alors, je sais quand même, vous me direz, parce que ça s'est vu aussi à l'intérieur de des débats scientifiques où il y a des gens qui s'accrochent beaucoup à leur... à ce qui est devenu presque des croyances, mais au moins le modèle scientifique nous rappelle alors, nous rappelle souvent que, bon, as-tu des données, as-tu des observations? Et ces observations-là, oui, peuvent être sur les grands nombres, peuvent être en laboratoire, mais elles sont, ces observations-là, aussi dans la vie quotidienne, des individus, comme dans la vie quotidienne des personnes qui sont des professionnels qui viennent en aide aux autres, ou là, et quand on parle du jugement clinique, et ça aussi, ça c'est une autre... c'est un autre fourre-tout parfois. Quand on ne sait pas pourquoi on a fait quelque chose, de dire « Ah, oh, ben j'ai fait ça, c'est mon jugement clinique qui m'a amené là », mais encore, est-ce que je suis capable de le décrire, mon jugement clinique? Et je pense que ça peut se décrire et ça peut même se noter. Hein, moi, je recommande ça aux gens, mais parfois d'écrire, parce que l'écriture nous force à mettre en mots et à suivre une certaine logique, d'écrire. J'avais ces observations-là, je pouvais aller dans cette direction-là ou dans cette direction-là, mais compte tenu de ces observations-là, plus de ce que je connaissais par ailleurs, j'ai opté pour telle avenue. Moi, ce genre de raisonnement-là, c'est quelque chose qui, bien sûr, fait en sorte qu'on peut toujours être plus rassuré, qu'on a fait le meilleur possible, mais c'est aussi quelque chose qui nous enrichit comme personne quand on le fait. Maintenant, prendre soin de soi. Est-ce que c'est de trop? Est-ce qu'on a le droit dans... Je pense que c'est essentiel. Quand j'ai commencé ma pratique en psychologie, il y avait quelqu'un que tout le monde admirait beaucoup parce qu'il travaillait extrêmement fort. Il pouvait commencer son bureau à 7 heures le matin puis il pouvait finir à 10 heures le soir. Moi, il y avait quelque chose qui m'inquiétait là-dedans. Parce que je me disais, mais il me semble que ça n'a pas de bon sens, il me semble qu'il doit être trop fatigué. Et aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde ça, dans ce temps-là, j'étais juste capable de voir la conséquence de ça. Aujourd'hui, je regarde quelle est la cause de ça. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se consacre entièrement à son travail? Des fois, c'est parce que le travail l'exige, mais il faut que ce soit temporaire. Mais des fois, le travail peut devenir une fuite. C'est maintenant documenté, ça, qu'on peut avoir une addiction au travail comme on a d'autres addictions. Prendre soin de ses propres besoins, c'est définitivement la meilleure façon de s'assurer d'un jugement libre. Parce que si il n'y a pas suffisamment de satisfaction à nos propres besoins, veut pas le risque que notre jugement soit biaisé par nos propres besoins, est plus grand. Il l'est, de toute façon, il y a toujours un risque, ça n'existe pas une personne complètement neutre. Je ne me rappelle plus quel auteur qui avait dit ça, mais j'avais trouvé ça génial, il avait dit « la neutralité n'existe pas, mais l'honnêteté existe ». Puis ça m'avait plu beaucoup, parce que d'être complètement neutre, c'est difficile. Mais plus on prend soin de ses propres besoins, moins on risque qui est une pression de nos besoins sur nos décisions. Et un jour, il y avait un comité de juges qui voulait nommer des nouveaux juges, puis il y avait une personne qui était candidate que je connaissais, puis qu'on m'a appelée pour avoir mon opinion. Ils font ça, là, ils prennent l'opinion de personnes qui connaissent le candidat de près. Et une question qu'ils m'ont posée, j'ai trouvé la question étonnante à première vue, mais tellement juste. Ils m'ont posé la question, à votre connaissance, est-ce que cette personne-là est à l'ordre dans ses finances?
Est-ce que cette personne-là a des problèmes financiers ou et des autres? Sur le coup, je me suis dit, mon Dieu, mais de quoi il se mêle? Parce que vous savez que l'argent, maintenant, c'est plus tabou encore que la sexualité. Fait que, mais après ça, j'ai compris, je me suis dit, moi, il ne faut pas que la personne soit influençable. Et pour ça, il faut qu'elle soit libérée de préoccupations. Il faut qu'elle-même soit à l'ordre. Donc, les aspects, prendre soin des aspects matériels, ce n'est pas rien. Hein, je peux facilement imaginer que de travailler de 7 heures le matin à 10 heures le soir en pratique privée, ça se pourrait qu'il y ait des motivations matérielles qui dépassent l'intérêt commun et l'intérêt du client. Au niveau affectif, on a besoin de s'estimer. Ça, tout le monde parle, quand on parle des besoins affectifs, les gens pensent tout de suite aux besoins qu'on a d'être aimé. C'est vrai, là, je ne suis pas en train de nier ça. Mais le besoin d'estime de soi est prioritaire parce que c'est l'identité, c'est la force, c'est le fait de savoir qu'on a même le droit d'aller vers l'autre, qu'on est. Et ça, pour certaines personnes, ça dépend du feedback qu'ils reçoivent des autres. Alors, donc, si je reprends mon image des petites poupées gigognes, là, la petite à l'intérieur là, est fragile parce qu'ils ont toujours besoin que ça vienne de l'extérieur et donc sur ce qui est apparent. S'occuper de son estime de soi-même, c'est justement être capable de se dire « Est-ce que je vis en fonction de mes valeurs? Est-ce que les talents que j'ai, je les développe? Est-ce que le comportement que j'ai, je suis en accord avec moi-même? » Est-ce que... Et ça, c'est fondamental pour pouvoir avoir justement une bonne relation de soin, mais sans tomber dans le piège d'agir pour être estimé. Bien sûr qu'on est content quand un patient estime ce qu'on a fait pour lui. Je pense qu'à peu près, il n'y a pas personne qui va vous dire non à ça, puis c'est tout à fait normal. Mais est-ce que ça pourrait aller jusqu'à faire ce que l'autre, ou dire ce qui va plaire à l'autre? Et dire ce qui va plaire à l'autre, des fois, c'est dans la lignée du traitement, mais des fois, ça ne l'est pas. Alors, si c'est mon besoin d'estime qui mène mon attitude, qui mène mon comportement, qui mène mes choix, mais même mes choix thérapeutiques, bien évidemment, je ne serai pas dans un raisonnement éthique. Je vais être aveuglée par le besoin de plaire et je vais me priver de ça. Et c'est là qu'est le cercle vicieux parce que les gens qui se comportent de cette manière-là continuent de creuser la grande poupée, si vous voulez. Donc, de ressentir le vide à l'intérieur parce que tout est reçu de l'extérieur. Donc, prendre un temps d'arrêt, dire « moi, qu'est-ce que j'en pense? » Et je vais dire « s'affirmer ». Vous savez, s'affirmer, on voit souvent ça comme étant la capacité de dire non. Et s'affirmer, c'est loin d'être juste dire non. S'affirmer, c'est d'abord et avant tout se connaître et savoir à quoi on dit oui. Puis une fois qu'on sait à quoi on dit oui, ben là, on peut dire non. Puis moi, je prône beaucoup ça parce que je n'ai jamais vu une personne qui était heureuse juste parce qu'elle savait dire non. Des gens heureux, ils savent à quoi dire oui. Et parce que je dis oui à ça, parce que je mets votre intérêt, je prends en considération votre intérêt, ben malgré le fait que ça puisse moins me donner dans l'immédiat de la valorisation, je vais quand même aller dans cette direction-là parce que c'est ce qui me réunit. C'est ce qui réunit mes valeurs, mes compétences et mon comportement. Les gens qui se disent l'expression « don de soi », dire « oh, moi, j'aime ça me donner, j'aime... » Moi, j'ai toujours un petit peu d'inquiétude de ça. L'autre veut être en relation avec vous comme personne. Il ne veut pas que vous vous donniez. Et dans la vie, là, quand, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, quand on se donne trop, ben, on finit par en vouloir à l'autre. Puis on finit par plus capable d'avoir une relation saine avec l'autre. Fait que moi, je ne suis pas très don de soi. Je suis très, oui, générosité, mais jamais oublier que on est notre principal outil de travail. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de monde parce que, vous savez, ce qui pouvait être automatisé, il l'a pas mal été. Là.
ce qui reste, ce dont la société a besoin, ce dont les gens ont besoin, c'est de relations, c'est de jugement, c'est d'un jugement articulé, c'est d'une affectivité saine. C'est de ça dont les gens ont le plus besoin. Et donc, pour pouvoir avoir ça, je ne peux pas me donner entièrement à un parce qu'il ne restera plus rien pour l'autre, parce que moi, je n'aurai plus rien. Et l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, surtout de nos jours, est quelque chose qui est très... qui a été percuté par la pandémie, mais cet équilibre-là est extrêmement important et pas juste dans un sens. Vous savez, des fois, on dit qu'il faut en garder pour notre vie personnelle, il ne faut pas travailler trop fort. Moi, je pense que c'est dans les deux sens. Notre vie personnelle nourrit notre vie professionnelle et notre vie professionnelle nourrit notre vie personnelle. Moi, je ne suis jamais partie de chez nous comme mère en disant « il faut que maman aille travailler parce que pour gagner des sous » puis tout ça. Même si ça contenait ça, je disais tout le temps « je m'en vais travailler parce que j'aime ça, moi, aller travailler. » Je trouvais que dans mon schéma là, d'éducation, ça, c'était une pierre que j'allais placer, que j'avais le désir de s'accomplir parce que bon, ce désir-là aussi, on peut le semer. Maintenant, les défis, bien sûr, le défi de la dépendance, aider quelqu'un, faire pour une personne ce que d'autres ne peuvent pas faire pour elle parce que ça arrive, il y a un risque de dépendance, il y a un risque que l'autre nous idéalise, il y a un risque que l'autre devienne dépendant de nous et ça, il faut justement savoir l'encadrer parce qu'il peut y avoir une tendance à confondre le fait d'être utile à l'autre et d'être essentiel à l'autre. Le transfert puis le contre-transfert, ce n'est pas parce que c'est pas juste les psychanalystes qui ont ça. Là. La réalité, c'est que dans une relation thérapeutique, quelle qu'elle soit, il y a une personne qui idéalise l'autre la plupart du temps et que la personne qui est idéalisée, elle est aussi impactée par ce que l'autre pense. Donc, il faut demeurer surtout conscient de... des biais possibles que ça peut entraîner, de l'impact que ça peut avoir sur nous. La manipulation, elle peut être involontaire. On peut avoir le sentiment que parce qu'on a un objectif qui est louable, que tous les moyens sont bons pour y arriver, dont celui de convaincre l'autre de penser comme nous. Et donc, ça aussi, c'est un défi, c'est un enjeu auquel il faut porter attention. Et bien sûr, la liberté. Le libre choix de chacun, et c'est facile de dire ça s'arrête quand commence la liberté de l'autre, mais quand ça concerne les doubles libertés de la personne, hein, la personne, par exemple, qui a un comportement autodestructeur ou la personne qui veut se suicider, dans quelle mesure hein, je protège sa liberté et dans quelle mesure je protège son autre liberté qui est celle de vivre. Et c'est pour ça que c'est complexe et c'est pour ça qu'on doit se garder de l'énergie pour être capable de réfléchir et pour être parce qu'on n'aura pas la réponse toute faite dans plusieurs cas. Je vais terminer juste avec quelques mots sur les fondements de la santé psychologique, c'est quand même l'identité. Donc, et l'identité, c'est beaucoup basé en début de vie sur le regard de l'autre, mais il en reste quelque chose dans notre vie. Donc, le rapport qu'un professionnel a avec un patient ou avec un client, le regard qu'il va porter sur cette personne-là va influencer aussi son identité. Donc, il faut être conscient de ça. Les frontières, on a besoin de sentir qu'il y a un moi et qu'il y a un monde extérieur. Donc, bien qu'on doive souvent être intrusif pour traiter. On devrait toujours être conscient quand même qu'il y a une limite et qu'il y a un enjeu là parce que le fait de retrouver ses frontières, que ce soit après une relation de dépendance, que ce soit après s'être remis entièrement pour les besoins de la cause, le besoin de retrouver ses frontières est nécessaire et la personne va avoir un effort parfois à faire pour ça, mais va apprécier de se retrouver elle. Souvent, on doit modifier l'intégrité de la personne. Hein, on ne peut pas aider sans
transformée d'une certaine manière. Et donc, son intégrité, c'est ce qu'elle a de fondamental. Donc, il faut avec elle trouver la zone qui fait en sorte qu'elle se sente respectée dans la façon qu'on a de modifier, de l'aider, de contribuer avec elle à modifier son intégrité. J'espère vous avoir donné des éléments de réflexion parce que je n'ai pas de réponse à tout, puis je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. J'entends beaucoup d'applaudissements dans mes oreilles. On a plusieurs questions. C'est sûr qu'on n'arrivera pas à aborder toutes les questions. On va essayer d'en aborder peut-être quelques-unes. Merci beaucoup encore une fois. Une première question, le partenariat qui est posé par Jocelyne Saint-Arnaud, qui est une prof émérite d'éthique de l'Université de Montréal, spécialiste des soins de l'éthique dans les soins infirmiers. Elle nous demande, le partenariat dans le soin ne peut-il pas être égalitaire? Chacun n'a-t-il pas sa propre expertise? Le client n'est-il pas expert de sa propre vie, comme le professionnel a ses connaissances et sa propre expertise? Dans un monde idéal, j'adore moi cette définition-là de l'expertise de chacun, puis tout ça, mais... Puis c'est important de le rappeler, c'est important ce que vous rappelez là, parce que l'autre a sa propre expertise aussi, et c'est vraiment ce sur quoi, ce que moi j'appelle les différences individuelles, c'est aussi beaucoup ça, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une connaissance de soi que l'autre a, que quelles que soient mes connaissances à moi, je ne peux pas avoir sans l'interaction avec l'autre. Mais il faudrait avoir juste des patients extrêmement matures, affirmés, sûrs d'eux, pour penser ça de la manière dont vous, comme professionnel, vous le pensez. Hein? Et donc, c'est pour, quand il y a de la supériorité, ce n'est pas nécessairement que vous, vous vous posez en être supérieur, c'est que la personne vous regarde comme ça. Et elle vous donne un pouvoir que peut-être vous ne voudriez pas vous donner. Mais je suis tout à fait d'accord avec cet idéal-là vers lequel on devrait tendre, mais qu'il faut être conscient qu'on n'y est pas toujours. Merci. On a une question de Jean-Noël Bérubé qui est une question, une réflexion. La peur de vieillir et de faire face à soi-même, en faisant allusion à l'allégorie de la poupée gigogne, a conduit à l'invisibilité actuelle des aînés dans notre société. Mais la pandémie de COVID-19, en rappelant ici la moyenne d'âge des décès de 81 ans, est-elle le révélateur éthique au niveau des normes, des limites et des devoirs de l'importance réelle des aînés dans notre propre bien-être intérieur, notre santé et épanouissement humain? Je suis très contente de vous poser cette question-là à ce stade-ci. Moi, je pense que la pandémie, ça a donné un coup de fouet à ce... Ça faisait quand même assez longtemps qu'on commençait à avoir des réflexions, à entendre un certain discours sur l'âgisme, sur le fait que les aînés étaient mis de côté, qu'il n'y avait de valorisation que pour la jeunesse et tout ça. Ça a été un gros choc pour l'ensemble de la société, ce qui s'est passé pendant la pandémie. D'abord pour les personnes âgées elles-mêmes, de se faire dire « tu ne sortiras pas de chez vous », d'être infantilisé, ensuite d'être plus vulnérable, d'être à risque, bon, tout ça. J'ose espérer que la pandémie va nous avoir amenés tous à être sensibilisés au fait qu'être une personne aînée, là, c'est notre avenir à tous. Il est plus lointain pour certains que pour d'autres. Et que ça va contribuer à notre quête identitaire, c'est-à-dire s'identifier non seulement dans ce qu'on est maintenant, surtout quand on est jeune, mais s'identifier aussi dans ce qu'on veut devenir, dans ce qu'on veut. Puis actuellement, j'ai vu ça à la télévision, c'est physique, là, mais c'est très troublant. On prend un visage jeune,
puis par ordinateur, là, on vieillit le visage. On projette ce que cette personne-là va devenir. Puis ils font ça avec des comédiens connus, là, tout ça. Puis je me dis, je trouve ça beau, puis je me dis, hey, j'espère que chacun de nous, on va garder cette image-là et que donc, chacun de nous, on va construire un monde où il y aura de la place. On s'est beaucoup penché sur améliorer la place des enfants dans la société, puis on est loin d'avoir terminé. Mais il va falloir se pencher sur l'autre extrémité du continuum pour arrêter de penser qu'il n'y a de place dans le monde que pour ceux qui sont entièrement autonomes. Parce que quand on est enfant, on ne l'est pas, mais en fin de vie, on ne l'est pas toujours non plus. Merci. On a peut-être le temps pour un petit peu d'autres discussions. Ici, on a une question d'Amélie Lantaigne, qui est membre de mon équipe, en fait, qui vous demande, avez-vous des réflexions ou des trucs pour respecter ce concept des trois territoires, notamment en contexte actuel de pandémie où les espaces sociaux sont entremêlés, que ce soit la famille, le travail, comment favoriser son propre bien-être et ses limites dans ce contexte? Ah oui, c'est une très bonne question, ça. Parce que on est, en fait, on en a plusieurs troisième territoire, hein, c'est ça l'affaire. Puis, je pense que le mot-clé, c'est priorité. Il faut être capable d'établir les priorités dans les différents domaines de notre vie, puis ensuite, entre eux, être capable de... Parce que la demande peut faire en sorte qu'on se sente facilement débordé et que là, on n'est plus capable de mettre de l'ordre là-dedans. Maintenant, ça m'amène à parler de la culpabilité. Vous ne l'avez pas nommé, là, mais en posant cette question-là, c'est sous-jacent. Et moi, je n'ai pas trouvé... c'est tellement souffrant, la culpabilité, c'est que vraiment, ça a été... j'ai eu beaucoup à réfléchir là-dessus, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour libérer les gens de tant de culpabilité. La seule réponse que j'ai trouvée, c'est la responsabilité. On ne peut pas nier qu'on a des responsabilités. On a, et donc par rapport, par exemple, à avoir des enfants, à avoir un travail, puis à devoir tout mêler ça actuellement, dire, quelles sont mes priorités et mes responsabilités? Et je ne pourrai pas répondre à tous les besoins. Donc, quels sont ceux qui sont prioritaires? Et ça vaut dans tous les domaines. Puis ensuite, on peut plus coordonner ça. Mais il faut faire le ménage dans les obligations soit que les autres nous imposent ou qu'on s'impose à soi-même. Peut-être une dernière question. Je sais que on ne peut pas aborder toutes les questions, mais on a celle-ci qui est de Richard Méran qui nous demande comment pourrait-on développer les réflexes éthiques, les réflexions, les comportements pour l'ensemble des professionnels autrement que par les approches traditionnelles de formation universitaire, soit par exemple la formation continue et les interventions disciplinaires. Très, très bonne question. Moi, je pense que cette formation-là ne doit pas commencer à l'université. Il est tard rendu à l'université. Là. Ta personnalité est installée. Le raisonnement éthique, et l'éthique, c'est différent de la déontologie. La déontologie, il faut absolument mettre des cadres déontologiques parce que c'est des lois puis tout ça. Mais en arrivant à l'université, on devrait déjà avoir la perception que ça va faire partie de notre bien-être d'avoir une vue d'ensemble. L'être humain est fondamentalement égoïste. Il ne faut pas perdre ça de vue. Là. Que il y a des gens qui pensent autrement. Là, il faut faire voir l'être humain qui va y trouver son compte, qui va y trouver son bien-être, d'apprendre à un enfant à se mettre à la place de l'autre puis dire « donne-lui ça parce que ça va lui faire plaisir ». D'être capable de penser à ce qui apporte à l'autre, d'avoir une vue des trois territoires en même temps, selon moi, ça se fait beaucoup plus tôt. Puis je pense qu'on ne peut pas compter sur les codes de déontologie puis sur la formation continue pour faire ça. Il faut y aller plus dans le développement personnel. D'accord. Je vais vous remercier très, très sincèrement. Je vais conclure dans un instant. Mais premièrement, vous remercier beaucoup, beaucoup. Une contribution extrêmement enrichissante pour nous. Moi, je suis dans le domaine de l'éthique maintenant depuis presque une vingtaine d'années. Puis il y a beaucoup de thèmes qui, je pense, nous touchent beaucoup,
mais dont on entend très peu parler dans notre domaine. Et donc, c'est extrêmement rafraîchissant. Ça nous donne beaucoup de pistes et d'orientations à aller creuser. Nous qui sommes souvent amenés à aider les professionnels à régler des problèmes ponctuels ou à établir des politiques, des interventions, etc. Donc, j'espère que le groupe a bien apprécié. Sur ce, je vous invite à la prochaine conférence du 4 mars qui est donnée par professeur Carol Reif, qui, elle est une experte, chercheuse, experte dans le domaine de l'épanouissement humain. Et elle va nous parler de l'éthique de la vertu, qui est une forme d'éthique et sa contribution à la santé et au bien-être. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci encore, Mme Charest. Merci tout le monde d'avoir participé. Merci pour vos questions. On va vous laisser là-dessus et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter Mariana Correro de mon équipe à mariana.correro avec deux R et at ircm.qc.ca pour avoir des mises à jour sur la série de conférences. Je vous remercie beaucoup, beaucoup.